Il y a eu un incident sur un de nos Hercules où il y a eu un feu à l'arrière qui aurait facilement pu causer la perte de l'appareil et de l'équipage. Je suis capitaine François Parenteau, je suis un ingénieur aérospatial et je travaille au Centre d'essais techniques de la qualité, le CETQ. Le CETQ fournit pour les forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale des services d'enquête spécialisés pour le support des équipements dans les forces canadiennes. Avant de venir ici, moi j'ai travaillé à l'escadron 435 de recherche et sauvetage qui est basé à Winnipeg, au Manitoba. Moi j'étais adjoint à la maintenance de l'aéronef. À l'époque, on était très rassurés de savoir que l'équipage était sain et sauf. Donc nous avons, à l'époque, nous avons travaillé très fort pour s'assurer que les autres avions n'étaient pas à risque. Le CETQ a travaillé à l'enquête technique et a pu déterminer la cause de la défaillance. Et ça m'a impressionné beaucoup de voir le travail que le CETQ a pu faire pour pouvoir prévenir ce genre d'incident arriver encore. J'ai toujours aimé aider mon père à réparer le véhicule, changer les freins, changer l'huile. J'étais aussi un inventeur. J'ai toujours été passionné par l'ingénierie mécanique. Moi, j'ai joint les forces canadiennes parce que je voulais voyager. Je voulais aussi aider mon pays et j'ai toujours été passionné par les avions. Donc, je suis devenu ingénieur d'aéronef. Thank you.